Allez, c'est parti à Coubertin pour cette 17e journée de Liqui Moly Star League. Paris et ses champions d'Europe affrontent ce soir Chartres pour un retour au championnat, avec pour objectif de relancer la machine à gagner parisienne. Et puis côté chartrain, pourquoi pas tenter un coup. Kolakovic avec Onufrienko. Côté chartrain, la tentative lointaine, le poteau cette fois-ci. Possibilité de 3-0, déjà ça va aller très vite, hein. Bien sûr on connaît les Parisiens, regardez la vitesse à laquelle Luke Steins remonte tout ça pour lâcher pour Luka Karabatic. Holm, ah oui, le but, le quatrième déjà, il allait chercher la lunette, pas vraiment la lucarne, un peu en dessous, 4-0 pour Paris. Allez, les chartrains, la première peut-être, la voici. Il était dessus pourtant, Green, mais c'est bien rentré. Et ça va très vite, ça va trop vite pour les chartrains avec Luke Steins et sa vivacité. Le sixième but déjà. Allez, les chartrains à nouveau pour le troisième, peut-être la tentative lointaine. Et on vient trouver le contre-pied. Chartres à l'attaque, la tentative encore une fois. Cette fois-ci, c'est au fond. Le cinquième but, Chartres qui se relance tout doucement, ils reviennent. Allez, on va repartir avec les Parisiens de l'autre côté. Luke Steins, ça glisse bien jusqu'à Holm qui derrière vient aligner. Pour le dixième but déjà des Parisiens. Les Chartrains qui perdent la balle, la relance rapide de Green. Ça va aller jusqu'au shoot. Oh, l'arrêt magnifique. Oh, il est beau celui-là. Et il fait du bien côté Chartrain. Onufrienko, la belle sortie. Ah, la paire de balles, non, c'est récupéré. Vérin, le bras est levé, le shoot est tenté et l'arrêt est maîtrisé par Yannick Green. Le cinquième déjà pour lui, ça repart rapidement, comme toujours, j'ai envie de dire. Et le shoot est lointain, il est précis et il va chercher les filets. Et le ballon est rendu aux Parisiens avec Steins qui fait beaucoup de malin dans les remontées de balles, les transitions. Oh, il arrête. Et oui, l'arrêt du gardien Chartrain. Alors, cette fois-ci, c'est pas Bomastar, mais c'est Zoran Radic. Et derrière, ça va jusqu'au bout, oui, avec Gaël Tribillon. Qui vient inscrire le huitième but, Chartrain. Oh, la passe, elle était sublime de Luke Steins pour Camille Chipsack. Et c'est parti pour la seconde période de cette 16e journée de Liqui Moly Star League. Pour l'instant, le score est lourd, très lourd pour les Parisiens. 27 à 13 face à Chartres. Gadushenko avec Davis. Gadushenko, ça glisse bien, ça va bien jusqu'à l'aile là-bas. Oh, il était dessus, Palika, mais... c'est rentré. Davis ne vont rien lâcher les Chartrains malgré ce score qui est lourd. Et ben voilà, le shoot était bien lourd également. Tonessen, Karabatic prendi. Boum. Encore et toujours la patate de Forain pour Elohim Prandi. Son premier but ce soir, oh, magnifique ça aussi, le petit passage de bras pour aller ensuite aligner Palika. Oh, un petit peu de spectacle avec Adama Keita. Prandi, Karabatic, la lucarne. Ah, ça joue bien, ça joue fort entre champions d'Europe. Profitons-en les amis. Ben Salem, la tentative, oh, elle est belle celle-là aussi pour le 19e but, Chartrain. Allez, Ben Salem, le bras élevé chez les arbitres. Vérin, ça glisse bien jusqu'à l'aile. Oh, et l'arrêt, très joli, monsieur Palika. Et c'est la fin de cette rencontre de Liqui Moly Star League, la 16e journée avec cette marche qui était beaucoup trop haute pour les Chartrains. Victoire large, victoire très large des Parisiens, 44 à 30. Et c'était une autre classe ce soir. Les Parisiens sont rentrés très fort dans leur rencontre. Dès les premières minutes de jeu, les Chartrains n'ont fait que courir après le score.